À la une de l'actualité, la police ougandaise détenait encore le chef de l'opposition, Kizza Besigye, quelques heures après l'avoir interpellé chez lui. La police estime que le docteur Besigye a planifié des manifestations violentes dans la capitale du pays, Kampala. Le docteur Kizza Besigye, que l'on voit ici, est emmené vers une camionnette. Il a été arrêté alors qu'il tentait de quitter son logement. Il était assigné à résidence depuis les 4 derniers jours. Nous avons eu des renseignements fiables que le docteur Kizza Besigye et d'autres groupes de personnes se mobilisent pour causer la confusion, des violences, des dégâts et mettre les activités de la ville à l'arrêt. Les partisans du docteur Besigye disent qu'il a organisé une marche pacifique pour que la commission électorale indépendante d'Ouganda donne des preuves du résultat des élections du 18 février. Le président ougandais Yoweri Museveni a gagné les élections pour prolonger son règne de 30 ans, mais pour Besigye, les résultats ont été truqués. Le colonel Kizza Besigye a demandé à avoir une feuille de décompte, car quand vous faites un décompte des résultats, vous ne montrez pas seulement le total, vous montrez d'où viennent ces résultats. La vérité, c'est que la commission électorale a annoncé Museveni sur la base de résultats fournis par lui-même. La sécurité est renforcée dans la capitale ougandaise, assurée par la police et l'armée. Des barrages routiers ont été placés le long des grands axes routiers pour contrôler les véhicules.